خود میدیم هم دیگر رو داریم اذیت میکنیم رفت و گذشت خاطر شد. Bonjour. Merci d'être venus aussi nombreux, c'est super chouette. Moi je suis vraiment ravie de recevoir Megar ce matin pour plein de raisons. Déjà parce qu'elle vient dans le cadre d'un festival qu'on aime beaucoup et auquel on participe régulièrement et souvent il y a des tabourets je pense si vous voulez prendre hein. Qui s'appelle Lettres du Monde, qui est organisé par une super association bordelaise. Et, on recevra d'ailleurs la semaine prochaine un auteur américain, Jack Adelstein. Je vous invite à venir jeudi prochain à 19h. Je pense que ça va être assez génialissime. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième, c'est qu'on a absolument mais adoré Des Orientales, qui est un bouquin absolument extra. Si vous ne l'avez pas encore lu, j'espère qu'on va vous donner envie. Et si vous l'avez déjà lu, peut-être qu'on va vous donner envie de le relire, de le re-relire, de l'offrir et de le partager. Moi j'ai aimé ce livre parce que c'est un livre que j'ai trouvé bourré de joie, d'humour et de force positive, tout en parlant de choses qui ne sont pas forcément tout le temps gaie et facile. Donc ça c'est un sacré exploit, bravo. Et voilà. Et pour commencer, ben, j'ai demandé à Megar de nous lire le début. Alors j'allais dire le premier chapitre, mais non, ça fait un peu introduction. Voilà. L'escalator. À Paris, mon père, Darius Sadre, ne prenait jamais d'escalator. La première fois que je suis descendue avec lui dans le métro, le 21 avril 1981, je lui en ai demandé la raison et il m'a répondu « L'escalator, c'est pour eux. » Par « eux », il entendait vous, évidemment. Vous qui alliez au travail en ce mardi matin d'avril, vous, citoyens de ce pays, dont les impôts, les prélèvements obligatoires, les taxes d'habitation, mais aussi l'éducation, l'intransigeance, le sens critique, l'esprit de solidarité, la fierté, la culture, le patriotisme, l'attachement à la République et à la démocratie, avaient concouru durant des siècles à aboutir à ces escaliers mécaniques installés à des mètres sous terre. À 10 ans, je n'avais pas conscience de toutes ces notions, mais le regard désarmé de mon père, attrapé durant les mois passés seul dans cette ville et que je ne lui connaissais pas, m'ébranla au point qu'aujourd'hui encore, chaque fois que je me trouve face à un escalator, je pense à lui. Mais vous le savez aussi bien que moi, pour prétendre entrer dans la tête d'un homme, il faut d'abord le connaître, avaler toutes ses vies, toutes ses luttes, tous ses fantômes. Et croyez-moi, si je commence par là, si j'abats déjà la carte du père, je n'arriverai plus à vous raconter ce que je m'apprête à vous raconter. Restons sur l'impact de cette phrase. L'escalator, c'est pour eux. Raison qui m'a décidé en partie à entreprendre ce récit, sans savoir par où commencer. Tout ce que je sais, c'est que ces pages ne seront pas linéaires. Raconter le présent exige que je remonte loin dans le passé, que je traverse les frontières, survole les montagnes et rejoigne ce lac immense qu'on appelle mer, guidé par le flux des images, des associations libres, des soubresauts organiques, les creux et les bosses sculptés dans mes souvenirs par le temps. Mais la vérité de la mémoire est singulière, n'est-ce pas? La mémoire sélectionne, élimine, exagère, minimise, glorifie, dénigre. Elle façonne sa propre version des événements, libre sa propre réalité. Hétérogène mais cohérente, imparfaite mais sincère. Quoi qu'il en soit, la mienne charitant d'histoires, de mensonges, de langues, d'illusions, de vies rythmées par des exils et des morts et des exils, que je ne sais trop comment en démêler les fils. Il est possible que certains d'entre vous me connaissent déjà, qu'ils se rappellent cet événement sanglant survenu à Paris, dans le 13e arrondissement, le 11 mars 1994. L'information fit l'ouverture du 20h de France 2. Le lendemain, tous les journaux en parlaient, à travers des articles remplis de contre-vérités et ornés des photos de nous, les yeux barrés d'un rectangle noir. Peut-être m'avez-vous vu sur l'une d'elles, peut-être avez-vous suivi l'affaire. D'ailleurs, j'aurais pu commencer par là. Au lieu de vous parler d'escalator, j'aurais pu vous raconter ce que nous appelions entre nous l'événement. Mais je ne peux pas encore. Pour l'instant, tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que nous sommes le 19 janvier. Il est 10h10. Et j'attends. Tu dis que les sœurs de la narratrice
peut-être qu'on se posera la question de savoir si tu es la narratrice, enfin oui, si tu es toi vraiment la narratrice ou si c'est une narratrice. Les sœurs de la narratrice et la mère, elles ont une habitude commune, elles vident leur ventre. Il y en a qui vident leur sac, mais elles, elles vident leur ventre. Donc, pour commencer, est-ce que des orientales, est-ce que ça a été une manière de vider ton ventre? Oui. Bonne question. Alors, la narratrice, c'est pas moi. D'ailleurs, cet extrait commence par cet événement que je n'ai pas vécu. Donc, c'est pas moi, mais il y a des points communs entre la narratrice et moi. Et il y a des réflexions que je partage avec la narratrice, bien sûr. Parce qu'il y a aussi des réflexions dans ce livre. Il y a pas, c'est un roman, mais il y a par moments des digressions. Donc, c'était pas une manière tant de vider mon ventre que de raconter quelque chose sans qu'on m'arrête, sans être interrompue. Voilà. D'où le fait de s'adresser au lecteur, et j'avais envie de raconter cette histoire avec tout ce que ça veut dire, parce que il y a, voilà, je suis née en Iran, j'ai vécu jusqu'à mes 11 ans en Iran, j'ai vécu une révolution, et à chaque fois que j'en parle, on m'arrête. On me pose des questions. On me dit, alors, c'était comment? Et dès que je vais en parler, et voilà, écrire, c'était une manière de parler. Tout simplement. Pas de vider mon ventre, je n'en souffre pas. De parler. Ce que j'aime beaucoup, moi aussi, c'est toutes ces réflexions sur la langue, sur ce que c'est que l'exil, sur ce mot intégration, dont on pourra reparler, qui n'est pas un bon mot. Et puis surtout, le fait qu'il n'y a pas du tout de langue de bois dans le bouquin. C'est très, moi j'aime ça, c'est, merci. C'est formidable. Merci. Mais alors je suis, vous ne l'avez pas lu, mais donc je ne veux pas dévoiler, mais ça m'est, je ne suis pas née le jour, oui, voilà, non plus, sûr. Donc ça fait pas, c'est pas non plus un élément autobiographique que cette naissance et cette mort qui... Fout, oui, non, ouais. Mais c'est vrai que l'exil, oui, ça fait partie des réflexions de ce livre qui viennent de ce que j'ai vécu. Et d'ailleurs, je vais vous dire, plusieurs personnes exilées, mais pas forcément de l'Orient, m'en ont parlé de ce passage et de l'impression, enfin, du fait de l'avoir vécu un peu de cette manière-là. Je me souviens d'une femme à Manos qui était roumaine et qui m'a dit que pour elle, c'était aussi ça, un peu une renaissance, et propulsée dans un autre monde avec d'autres repères et d'autres... et soit en étant autre, avec un autre prénom, avec... Voilà. Donc j'ai l'impression que c'est assez partagé par les gens qui ont vécu l'exil. Alors des orientales, oui, parce que être oriental en dehors de l'Orient, on est oriental, hein, donc on est enfin, mais en même temps ça ne va pas dire grand-chose. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire être oriental alors qu'on ne vit pas en Orient? À la rigueur, je vais vous dire même iranien alors qu'on vit, ou iranienne alors qu'on ne vit pas en Iran. On n'est pas voilà. Et puis parce qu'elle est, elle cherche son chemin. Ouais, elle est désorientée pendant tout. Ouais. Que ça se... Moi, j'entends désorientée. J'entends pas du tout désorientée. Oui, c'est ça. Elle cherche un chemin. Ouais. Ouais, c'est ça. Elle cherche son Orient. Le soleil qu'on perd et qu'on... L'Orient, c'est le soleil. C'est pas que l'Orient le géographique, c'est un soleil aussi qu'on perd et qu'on essaie de retrouver. Cette histoire de transsexuel a toujours été très surprenante. Et c'est... On en parle... Enfin, pour les gens qui l'ont pas lu, pour revenir à l'Iran, la transsexualité est autorisée en Iran, et ça l'a toujours été. C'est pas... Bon, on pourrait dire sous le chat, pourquoi pas, ça l'était, et voilà, c'était un pays entre guillemets laïque. Mais c'est vrai que c'est toujours autorisé, on est très facilement, on peut changer de sexe. Mais enfin, on peut avoir le papier pour changer de sexe, même si pour en changer, ils n'ont pas forcément développé les techniques. Donc beaucoup de transsexuels partent en Turquie pour changer, mais ils ont le papier. Donc en revenant, ils ont l'autorisation de porter un autre prénom. Mais l'homosexualité est non seulement interdite, bannie, mais on est... voilà, c'est la peine de mort assurée. C'est un petit bizarre. Ah oui,
Il y a 2 mois, ils ont pendu un garçon à une rue de 19 ans. Donc c'est la pendaison. Hein. Donc, on ne pend pas, on dit pas à chaque fois qu'on pend que celui-là est homo, parce que le regard de l'Occident les terrifie. Mmh. Et il y a quand même des entreprises qui vont là-bas, etc. Donc on ne peut pas... Mais on monte à peu près à 4000 le nombre de... pendaisons. Oui, ce qui explique le non-coming out de l'oncle, le fameux oncle numéro 2. Mmh. Oui. Le non-coming out. Qui avait caché toute sa vie. Quoi. Honteux et caché toute sa vie en espérant que la mère l'aime quand même. Désespérément malgré ça. Vraiment de sa mère qui... Et donc Montazam, qui est quand même un personnage absolument Montazé Molmolk. Voilà, qui est un personnage absolument incroyable parce que là, donc, on a parlé de l'histoire de l'Iran, on a parlé de la notion de genre, etc. Il y a quand même une partie super importante dans ce livre. C'est la famille qui, moi, m'a fait penser aux mille et une nuits. Alors là, j'y étais totale. Ah si, ce côté complètement... mélange de mille et une nuits et de Nasreddin Hoxha. Ah oui, complètement incroyable. Et avec ce patriarche absolument phénoménal qui est ce fameux Molmolk. Voilà, on dit à Molmolk. Il existe dans ton histoire personnelle à toi, ou est-ce que lui, il est complètement inventé? J'ai un ancêtre qui est... En fait, moi, ma famille paternelle est originaire du nord de l'Iran. J'ai un ancêtre qui était... dont je ne connais pas grand-chose, en fait. Je sais qu'il était... voilà, comme c'était un seigneur féodal, je le sais parce que le pays est ainsi fait. Là-bas, le nord n'a pas été... L'islam est arrivé très très tard au nord de l'Iran. Donc c'est une région qui était en autarcie, un peu comme les ducs de Bourgogne, si je fais une... Donc ils vivaient comme ça en autarcie avec ses seigneurs. Il se trouve que cet ancêtre-là en était un. Donc je ne connais pas sa vie, ses histoires, etc. Mais je m'en suis inspirée comme ça, hein, parce qu'il est dans mon imaginaire. Après j'ai tiré un fil, les femmes, le harem. Donc... il y a une figure, mais pas sans contour, j'allais dire. Voilà. Cette relation avec le lecteur, c'est sympathique. Oui, c'est impressionnant. Oui, parce que des fois, c'est fabriqué, ce côté, j'interpelle le lecteur, et là c'est... Non, elle est forte, parce qu'elle nous dit toujours, ouais, attention, c'est quand il s'est passé, ouais, cet événement, voilà. Alors on est là, ouais, en suspense. C'est une conteuse qui... Elle compte pas, c'est même une semaine. Oui, elle fait l'art du conteur un peu, qui consiste à s'adresser à son auditoire, de laisser des moments de surprise, de mentir, de fabuler, de laisser l'histoire en suspens pour aller vers... toujours retenir l'attention dans quelque chose qui, finalement, il n'y a pas d'intrigue, en fait. Il n'y a pas... Oui, c'est vrai. Il faut quand même raconter quelque chose sans qu'il y ait voilà, une intrigue ou quelque chose qui retienne, à part l'événement, peut-être. Donc, elle n'a pas... Elle ne peut pas raconter cette histoire-là de façon linéaire, ce n'est pas possible. Quand on quitte un pays ou n'importe où, hein, n'importe quoi, à 10 ans, on ne va pas se souvenir à 30 ans, d'un coup, d'un seul, très bien, de façon très claire, et tous les détails. C'est pas, la mémoire ne fonctionne pas de cette manière-là. Donc la mémoire est comme ça, ça vient, et puis on parle de quelque chose, et puis ça vient encore plus. Et donc j'avais envie que l'écriture reflète la mémoire. Et j'avais envie que vraiment on touche du doigt par l'écriture, qu'est-ce que ça veut dire être loin de quelque chose. C'est bien, voilà, bien. Donc ça m'obligeait à créer comme ça des puzzles de mémoire. C'est un premier roman. Vous avez dit tout à l'heure à Corinne que c'était pour pouvoir raconter cette histoire sans être interrompue. Et maintenant, parce que moi je trouve que c'est une telle beauté dans l'écriture qu'on attend avec impatience un deuxième roman. Donc quand même, laissez-la se reposer, la pauvre. D'accord. Non mais dans la mesure où c'est pour raconter ça, est-ce que ça veut dire que c'est comme ça une expérience et puis que voilà, vous repartez dans le cinéma, ou est-ce que
vous allez trouver dans l'écriture de ce roman quelque chose qui vous pousse à en écrire d'autres. Non, ça pousse à en écrire d'autres. Oui, non, fatalement. Oui, oui, oui. Donc, le cinéma, je ne l'ai pas quitté, j'y suis encore. Enfin, je ne l'ai pas quitté pour l'écrit. J'ai pas... je l'écrivais. Oui. Et donc. Le cinéma est là à côté, en parallèle. Et mais il y a du romanesque là-dedans. Donc, mais j'avais vraiment envie de raconter. C'était vraiment entre moi et les gens que je croisais, que j'en rencontrais. Et depuis longtemps, il y a des gens qui me disent, mais enfin, il faut que tu racontes cette histoire de révolution, tout ça, tout ça. Mais je trouvais pas les moyens de raconter, parce que, comme je vous l'ai dit, un témoignage. Bon, tout le monde a une vie, hein, donc pas moi, je raconterai ma vie. Et ça serait plus intéressant que la vie de quelqu'un d'autre. Donc j'essayais de trouver la manière de le raconter qui soit vraiment romanesque. Donc bien sûr ça donne envie, surtout la liberté. On était sur le thème de la liberté avec les lettres du monde. Donc on est sur le thème de la liberté que ça donne d'écrire une histoire romanesque, c'est incroyable. Et le plaisir que ça donne aussi de soi à soi, de travailler la langue, les personnages, la matière, c'est... Non, ça donne envie de recommencer. C'est pas un contrat électrique. Hein, on est... Merci. En tout cas, c'est un très très beau roman. C'est un super coup d'essai. Bravo. Et merci mille fois parce que c'est un tel moment de bonheur. Mais ceux qui ne l'ont pas encore lu, mais je vous envie. C'est absolument. سوزم و می سوزم از نکرده ها نترسم اما می ترسم از فرده ها گذر